Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy, donc allons-y. Alors j'espère que vos vacances se sont bien passées. Aujourd'hui, je vous parle donc d'un cartoman français que vous connaissez, c'est monsieur Yves Carbonnier. Je vous propose un tour tiré de ses notes de conférence, ou plutôt de ses notes de causerie. Ça s'appelle Reset Ultime. Alors c'est un effet de repro rétro, des choses. Enfin voilà, c'est le thème, hein, en tout cas, un thème qui a été abordé la première fois par Polaris. Il y a beaucoup de versions. Franchement, je trouve sa version super intéressante. Je vous mets le lien dans la description vers son livre, parce que voilà, il a son livre sur la carte magique qui est sorti, donc n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Ses notes de conférence aussi, contactez chez CC Magic, passez par France ou contactez-le lui en direct, vous pourrez tout trouver. Vous le savez, pour la magie, c'est CC Magic, bien sûr, ben oui, je sais bien. Et pour les jeux de société, c'est qui? Ben c'est Guy et Jeux, toujours, bien évidemment, qui nous propose ce soir Exit Puzzle. Alors, c'est de Inca et de Marcus Brand. Ce jeu se joue à partir de 12 ans et plus, 1 à 4 joueurs, et les parties durent en moyenne 90 à 180 minutes. Les plus du jeu, eh bien, c'est que c'est un jeu coopératif où l'observation et la logique a vraiment son importance. Vous avancez de puzzle en puzzle et vous découvrez différents lieux, ça c'est plutôt sympa. Et puis enfin, l'expérience de jeu est vraiment surprenante et est vraiment inoubliable, quoi. Donc je vous invite à vous intéresser à ce jeu. Je vous mets une vidéo dans la description. www.guyageux.fr, les boutiques, vous les connaissez, et n'oubliez pas, le 13 novembre, donc ça veut dire samedi prochain, je suis à Loche, voilà, on inaugure la boutique de Loche, donc venez me rencontrer, je vous dédicacerai des jeux de cartes, puis surtout on pourra échanger, puis peut-être faire des tours ensemble, voilà. Je vous laisse donc avec Reset Ultime, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, une très bonne soirée, bonne reprise, et à la semaine prochaine, ciao. Donc, quelques cartes ce soir. Voilà. Parfait. Et on va utiliser les rois, en fait. D'accord. Premier roi. Deuxième. Troisième. Et voilà, je pensais que... mon jeu n'était pas complet, mais si il l'est. Bien. Parce que souvent de fois, pour ce genre de tour, on utilise les As. Là, en l'occurrence, non. On va vraiment utiliser, d'accord, les 4 rois. Parfait. Ok. On les laisse là. Pour la suite, en fait, on va utiliser les 2. D'accord. Donc, voyons voir. En fait, ça va bien transposer, vous êtes d'accord avec moi, avec les rois, quoi. Donc parfait, les 2. Ok, donc 1, 2, 3 et 4, 2. Et donc souvenez-vous ici, les 4 rois. Parfait, l'idée étant de faire passer les rois à la place des 2. Je vais aller doucement, c'est-à-dire que sans contact, je passe au-dessus des rois comme ça. Et là, instantanément, comme vous pouvez le voir, on a un roi qui voyage. C'est pas mal. Ouais, c'est bien devant comme ça. Ok. 1, 2, 3 cartes. 3, 2, 1. D'accord. On va peut-être prendre le premier 2. Juste, on passe au-dessus des rois et on a un deuxième roi comme ceci. Donc ça y est, on a déjà fait passer 2 rois ici. D'accord. Il nous reste donc 2, 2. C'est marrant d'ailleurs de dire 2-2, vous êtes d'accord avec moi? Ok, donc 2-2, 2 cartes, c'est marrant. Alors du coup, ça va fonctionner par 2, c'est-à-dire par paire en fait. C'est-à-dire que là maintenant, on a un roi et on a encore un roi. Alors attendez, mais je ne comprends pas. Si du coup, on a réussi à faire passer les rois là, du coup maintenant ici, on a les 2. Non, en fait, je vous rassure. Si on contrôle... Ici, on a bel et bien tout simplement les rois. Et normalement, ici, si on vérifie, on a tout simplement les 2.